Bon, franchement, vu le titre, je crois que j'ai même plus besoin de faire d'intro, quoi, parce que bon, les Ultimus, vous avez l'habitude maintenant, hein. Alors oui, encore un Ultimus. Désolé, j'attends encore une. Là, c'est une énorme commande. J'attends encore une grosse commande, enfin plusieurs petites commandes, hein, mais que je vais regrouper dans un prochain haul. Et après, je vais tenter de me calmer. Alors, attendez, je sais pas si mon fossile est pas en cacahuète ou si juste il me chatouille. Je crois qu'il me chatouille. Donc voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Je ne sais plus que dire pour. Je vais pas me justifier déjà de une, hein, mais. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai commandé deux petites choses pour mon frère. Puisque c'est bientôt son anniversaire et en attendant d'aller chercher son vrai cadeau, on va dire, je lui ai commandé deux trucs. Alors j'ai mis dans un petit sachet, hein, parce qu'il y a un tout petit truc que je voudrais pas perdre, que je n'arrive pas à choper. Donc je lui ai tout d'abord pris un porte-clé. Merde, forcément on voit pas à travers. Donc je vais devoir ouvrir pour vous montrer. J'ai pris des petits porte-clés comme ça à tout le monde. J'en ai pris un pour mon chéri. Pour lui dire qu'il était l'homme, enfin, qu'il était la chose la plus importante dans ma vie. J'ai pris pour les enfants, pour dire, enfin pour les garçons, pour dire que je les aimais plus que tout. C'est marqué dessus, je t'aime plus que tout. Voilà. Bon. Et pour mon frère, j'ai pris celui-ci. Je trouve que c'est tellement vrai. Frère, j'ai essayé de te trouver le meilleur des cadeaux, mais tu m'as déjà. Voilà, un truc comme ça. Voilà, je ne sais pas bien lire, j'ai pas mis de lunettes. Donc je sais que ça va le faire rire. Hein. Il adore ce genre de petites conneries, moi aussi. Et je lui ai pris mon petit short. Parce que dès qu'il y a des lions, ben, je pense à lui. Et je lui ai pris un t-shirt avec un lion. Il est juste sublime. Vraiment très beau. Dans le dos, il est tout noir. Voilà, je l'ai trouvé trop beau. Et dès qu'il y a des lions, ben, je pense à mon frère. Donc voilà, je lui ai pris le t-shirt. Donc je vais le replier avant qu'il y ait une tonne de poils dessus. Hein, et le remettre dans son petit sachet. Voilà, on peut passer aux fringues pour moi. Ça, je l'ai ajouté en paiement en un clic parce que j'ai craqué dessus. Donc, c'est encore pour faire... c'est une brassière, quoi. Hein. Pour moi, c'est pas un petit top. C'est vraiment une brassière. Je les mets comme petit top quand il fait vraiment très chaud. Mais comme je pense qu'on n'aura jamais d'été, j'ai pris celle-ci. Voilà, j'adorais les petits nuages. Et la petite licorne, elle est trop jolie. Elle est trop choupie. C'est pas du flocage, donc ça devrait pas partir. Elle est trop mignonne. Voilà, j'ai craqué dessus, c'était dans mes suggestions une fois que j'ai validé ma commande. Et il faut qu'ils arrêtent de mettre des suggestions avec les trucs de paiement en un clic, parce que ça devient une vraie ruine les paiements en un clic. Je me suis pris un pantalon, alors je pensais qu'il serait plus fin que ça, mais finalement il est assez épais. Je l'ai pris en L, hein, parce que je grossis, mais pour être vraiment à l'aise, parce que les, je rentre dans le M, hein, sans aucun souci. D'ailleurs, je l'ai trouvé hyper large. Je crois qu'il va être trop large pour moi. Heureusement, il y a un cordon. Mais le problème, c'est que les élastiques, ben, quand ils sont vraiment à ma taille, donc en M, comme c'est assez rigide, vous voyez, il est assez épais. Il fait tout ça. Il reste rigide. Et du coup... Ça me cogne un peu sur les côtes, le bassin et tout ça, et ça me fait mal. Voilà, puisque fibro oblige, on a mal tout le temps. Mais j'ai pris celui-là, et je l'ai trouvé trop beau. Et il a une matière assez agréable, et l'intérieur a l'air d'être assez agréable aussi. C'est comme les joggings, quoi. Hein. Voilà, c'est vraiment un pantalon de jogging de base, hein. Mais moi j'utilise ça pour traîner à la maison et pour dormir. Mais je l'ai trouvé trop beau dans les teintes, là, les dessins. Et il faut que j'arrête de me commander des bas de pyjama, parce que j'en ai une tonne. Alors, je me suis repris un jeans. J'ai craqué dessus, et quand je l'ai essayé, j'ai encore plus craqué dessus. Un gros, gros, gros coup de cœur pour ce jeans. Il est trop beau. Je me prends les pieds dans le canapé, avec des boutons qui descendent. Alors,
Le bruit risque d'être un peu chiant. Ici, ça descend que jusqu'à mi-cuisse, enfin, au niveau de la cuisse. Il n'y a pas de poche à l'avant. Il y a des poches à l'arrière. Il est assez extensible et je trouve qu'il me va super bien. Il a un effet délavé. En plus, je l'adore. Alors, c'est un jeans évasé. En principe, je prends des slims, mais parce que justement, vu ma petite taille, ben, pour le problème de longueur de jambe, les slims, c'est mieux. Mais là, clairement, je peux le mettre qu'avec des talons. Je peux pas le mettre sans talons. Mais bon, c'est pas grave. Il est tellement beau que voilà. J'adore. Et gros coup de cœur quand je l'ai essayé. Pareil pour cette pièce-ci. Je me suis pris un Bombers. Alors, c'était très à la mode quand moi j'étais ado. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est un en doudoune. Hein. C'est pas en veste. C'est un gilet. Mais effet Bombers, donc il est court, il est couleur café, comme ça, mocha, avec le R en doudoune, et les manches blanches, voilà, c'est typique des Bombers, et j'adore. Alors c'est fermeture par pression, donc c'est encore plus pratique, mais j'adore, c'était, j'ai adoré, voilà, je vais pouvoir maintenant le mettre comme veste de saison. Et je me suis repris deux tops, donc j'avais pris dans le dernier haul, un en espèce de marbre, et j'ai repris celui-ci. J'ai adoré la couleur. Il est trop beau. Voilà, j'adore, tout simplement. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment mes couleurs, en plus c'est mes couleurs du moment, quoi. Turquoise, rose, mauve. Je n'arrête pas avec ces couleurs-là, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Il dit celle qui est maquillée en vert. Et alors celui-ci. Craquage, j'ai adoré le motif, j'ai adoré les couleurs aussi, bien peps et tout. Voilà, je trouve ça trop beau avec les petites patounes. Hein. Et clairement, hein, je vais faire un make-up associé à ce top là, j'aime trop. Voilà, mais c'est plus que classique, vous avez ici deux petits ronds, deux petites pampilles argentées, j'adore. Et puis les couleurs sont bien peps pour l'été. Donc voilà pour les fringues. On va passer aux quelques petits accessoires que j'ai. Et ensuite on passera au carnage. Mais quand je vous dis carnage, c'est un énorme carnage de Diamond Painting. Alors tout d'abord j'ai recommandé ceci. Ce sont les boules pour les moumouches. J'en ai pris un lot de 8. J'adore ce truc là. C'est beaucoup plus beau. Non, parce que ça reste très moche une fois que les mouches sont collées dessus. Mais c'est moins dégueu que les serpentins, là. Et en plus, on risque moins de se les prendre dans les gueules. Ça m'est déjà arrivé, hein, pour ça que je dis ça. Donc voilà, j'ai repris un lot de 8. Comme ça, j'en ai pour l'été, logiquement. Et je trouve que ouais, ça fait vraiment mieux. Après, le petit support, j'en avais acheté un dans le précédent haul avec le petit support autocollant, là. Je me le suis pris sur la tronche quand même parce qu'il s'est décollé. Alors, j'ai pris 4 bits pour la rentrée de Sam en septembre. Et je les trouvais trop stylés. Alors, vous n'allez pas bien voir les dessins, je pense, mais voilà. C'est juste des bêtes bics stylo bi pour les Français. Mais avec des dessins, c'est des dragons. Là, il y a un tigre. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin, bref. Voilà, donc il les rangera jusqu'à la rentrée. Je me suis pris pour moi un lot de 6 feutres noirs. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc vous avez un côté feutre mais assez fin. D'ailleurs, je m'en suis servi sur mes ongles. Je l'ai pris pour mes coloriages hein, de base, mais je m'en suis servi sur mes ongles. Et de l'autre côté, un style stabilo. Donc ça, c'est génial pour les coloriages. J'ai repris un livre sur les animaux de la forêt parce que j'ai trouvé les graphismes trop beaux. Alors, je vais vous en montrer un ou deux comme d'habitude, parce que là, c'est juste forêt. Voilà. Les petits écureuils m'ont fait craquer. Il y a... Oh, regardez ça. C'est plein de boue. Il y a des ratons laveurs aussi. Enfin, voilà, il y a plein d'écureuils. Il y a... Bon, celui-ci, je ne le ferai clairement pas. Vous voyez, petit renard. J'aimerais bien vous trouver un raton laveur. Attendez, je cherche un raton.
Voilà. Il y a 32 dessins. Très bien. Sauf que j'ai plus assez de place dans mes portfolios pour le ranger. Donc je vais t'emmerder. Et ben le reste c'est tout du diamond painting. Donc oui, Razia dans le diamond painting, j'en attends encore. Et j'attends des articles qui arrivent par voie terrestre, donc ça va mettre plus de temps. Donc si je les ai reçus pour le prochain haul, je vous les présenterai. Sinon je vous mettrai, je vous inclurai une petite photo de ce que j'ai commandé et de ce que j'attends. J'ai commandé pour mettre sur mes petites boîtes, donc j'utilise des piluliers pour mettre mes strass. J'ai commandé des petites étiquettes pour noter les noms. Voilà, elles sont toutes petites, je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont rikiki, mais pour noter le numéro à chaque fois, l'enlever et en recoller un autre, c'est la taille qu'il fallait. J'ai pris, alors je vais l'ouvrir maintenant que je tourne le haul. Bon, c'est un collier, mais je m'en fous du collier. Donc c'est une chaîne, une grande chaîne, hein, avec une loupe. Parce que mamie, elle n'a pas des bons yeux. Donc, des fois, il y a les numéros, je ne vois pas bien. Donc là, je pense que ça devrait être plus facile. Oh oui! Oh, vive les loupes! Et encore, j'ai pas mes lunettes. Hein. Vive la loupe! Vive la loupe! Et je ne voulais pas acheter une toute grosse, parce que c'est de temps en temps un numéro que je ne vois pas bien. Quand il est perdu au milieu de plein d'autres, mes yeux n'arrivent pas à comprendre l'info. Et vous pouvez donc le mettre autour du cou quand vous faites votre diamond painting. Donc voilà, c'est hyper pratique. Et je voulais pas une grosse loupe. Je suis accrochée dans mes boucles d'oreilles. Bravo. Bravo, 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 bravo. Donc je vais la ranger pour pas qu'elle se griffe. Alors, on va passer au diamond painting en toile. Classique, quoi. Donc je vais à chaque fois les sortir pour vous montrer le modèle et je les re-rangerai tout à l'heure. Donc celui-ci c'est un petit de 20 par 20. Alors autant vous dire que ces trucs-là je vais en avoir à gogo. Tout ce qu'il y a. Donc je vous montre pas les strass, hein, c'est pas le plus important. Et ce sont des bébés renards, enfin un renard blanc avec des bébés. Trop beau. Il est canon. Canon, canon, canon. J'adore. J'ai pris celui-ci avec un kitsune. Non, c'est même pas un kitsune, c'est pas un renard à neuf queues, c'est un truc un peu fantasy. C'est un renard avec des cornes et des ailes, mais je l'ai trouvé vraiment très beau. Et là, c'est un 30 par 40. La plupart, c'est des 30 par 40. Hein. C'est un diamètre que j'aime beaucoup. Alors, vous êtes en train de vous demander ce que je vais faire avec autant de diamond painting. Ben, je ne sais pas. Les faire. Ça, c'est un fait. J'en ai encore trois. Hein. Il m'en reste trois et je suis en train de faire un autre. Je vous jure. Qu'est-ce que j'ai noté la taille? Quoi que non, ça a l'air d'être un... Ah, c'est un 40 par 50. Donc, lui, il est plus grand. Et c'est un horizontal. Avec deux arbres, comme ça. J'aimais trop le modèle. Vraiment, le côté un peu chaud et côté froid. Vous voyez, feu et glace. Je ne sais pas, mais j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc on repart là sur un 30 par 40. Et je l'ai, pareil, je l'ai trouvé tellement beau. Ça c'est clairement dès que je vais mettre en cadre. Hein. Enfin, de toute façon tous, hein, je les aime bien. Mais je m'amuserai à changer en fait. Ici c'est le Tsune. Il est trop beau. Magnifique. 30 par 40 toujours. Magnifique. En plus, il y a la lune et tout, vous voyez. Toujours du 30 par 40. C'est lequel celui-là? Ah, ben c'est encore un kitsune. Encore. Il était trop beau sinon. Voilà, c'est bon. Je n'ai pas d'excuse. Hein. Je n'ai aucune excuse. Toujours 30 par 40. Ouais. Et cette fois-ci, c'est un petit dragon. Voilà, j'ai toujours pas d'excuses. Hein. J'ai l'air très jaune là, hein, avec le reflet. J'ai l'air toute jaune, toute orange. Oh, on dirait une carotte. Là. Avec le reflet de mon pull. Faut que j'arrête de vous les présenter comme ça. Alors, toujours 30 par 40. Oui, je ne pense pas que celui-ci va être. Ah, si, vous voyez bien. C'est un paysage un peu féerique. Ici, vous avez une cabane. Ça fait comme un effet de luciole une fois qu'il est fini.
le problème, c'est que j'en ai un grand de 30 par 40 que je viens de commencer il n'y a pas très longtemps. Et comme je suis à fond sur mon jeu, en même temps, ben, je ne peux pas faire les deux. Donc, je peux pas faire. En fait, j'ai envie de faire du diamond painting et du coloriage, mais je suis tellement à fond sur mon jeu que quand je joue, je ne peux pas faire autre chose. C'est difficile d'être moi, hein. Franchement, j'ai pas une vie facile. Hein. Je vous jure. Alors, celui-ci, rigolade. Je pense que c'est le premier que je vais faire parce que je sais où il va aller. Je l'ai acheté pour le mettre où je veux le mettre. Hein. 35 par 35. Je l'ai pris pour mettre sur la porte de mes toilettes. Donc, clairement, je ne vais pas faire le tour. Enfin, je vais arrondir, je pense. Je ne vais pas faire tout la partie blanche, vous voyez. Je vais vraiment essayer de faire que le gnome sur sa toilette, couper et coller ça sur ma porte des toilettes. Voilà, tout simplement. Je l'ai pris pour ça. Il y a plusieurs modèles différents, mais c'était celui-ci que je trouvais le plus beau. En plus, il est vert. Et le dernier sur toile, c'est pour Noël. Ouais. Bon, en même temps, il faut le temps que je le fasse avant Noël. Hein. Surtout que c'est un big. Il est énorme. Il fait 40 par 70. Donc celui-là, clairement, il ira là, au-dessus de mon canapé à Noël. Si j'arrive à le faire avant. Ah, par contre, là, ils ont mis les petites pochettes pour le ranger. Et c'est pas le même applicateur, regardez. Ça, c'est cool. Et ils ont mis... Ah, ils ont mis que deux carrés de trucs. Heureusement que là, j'ai un stock. Magnifique, c'est un paysage de Noël. Tout un paysage. Et autant vous dire que ceux de Noël, pour l'instant, ils sont à un prix vraiment ridicule. Hein. Je crois que le plus cher que... Enfin, non, il y en a que j'ai payé un peu plus cher. Mais les trois quarts étaient à 3 balles. Quoi. Enfin, de toute façon, je vous ai affiché les prix, donc vous voyez. Et alors, nouvelle lubie. Donc là, il n'y en a que deux qui sont dans un sac en plastique qu'on voit à travers. Sinon, tous les autres, ben, j'ai commencé. C'est des diamond painting comme j'ai fait le papillon sur une plaque. Sauf que, donc qui tient debout, hein, ou alors vous avez aussi la version à accrocher. Oh, j'ai le nez qui chatouille et j'ai le nez qui coule. Et bah, il faut les sortir pour savoir quel modèle c'est. Quoi. Donc là, je pense qu'après, je vais noter dessus pour ne pas devoir tous les sortir à chaque fois. Mais je vais d'abord boire un coup de café et je vous montre ceux qu'on voit en travers comme ça. Parce qu'on voit en travers. Donc, les deux premiers qu'on voit, alors j'en ai pris pour Noël, j'en ai pris pour l'automne, j'en ai pris pour Halloween, j'en ai pris pour tout le temps. Mais pour mettre dans mon fond, je trouve mon fond vidéo. J'ai trouvé ça trop beau, le papillon, je craque vraiment dessus. Donc là, j'ai pris. Alors pareil, hein, je vais sortir les petites spatules, là, pas besoin de autant. J'ai pris celui-ci, des petits champignons. Voilà, pour l'automne, je trouve qu'il va être vraiment très, 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 très beau. Ici, c'est entièrement en strass. Il y en a, c'est juste certaines parties. Et vous avez le petit socle pour le poser dedans, pour qu'il tienne debout. Voilà, après, ça ne tient pas, c'est pas fixé, mais vous pouvez toujours le fixer à l'intérieur, si vous voulez. Donc voilà, j'ai d'abord pris ces petits champignons premiers. Ensuite, celui-ci est beaucoup plus grand. J'espère qu'il passera sous mon intérieur. Mais il est trop beau. C'est une joie. Et ce que j'adore, vous voyez, c'est qu'il y a aussi des tout grosses traces à certains endroits pour vraiment... Et je trouve que ça rend super bien dans mon fond. Le papillon, franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai fait une razzia sur ces trucs-là aussi. Qui sont plus chers, hein. Attention que l'étoile, hein. En même temps, il y a le support en plastique que vous payez également. Hein. Et après, tous les autres sont dans des boîtes comme ça. Donc, on ne sait pas. C'est surprise quand vous en achetez plusieurs. Donc, alors celui-là, c'est le premier que je vais faire parce qu'il ira trop bien dans mon fond. C'est une maman licorne. Enfin, une reine licorne et une princesse licorne. J'adore. Il y a la couronne. Il y a la couronne, chacune. Elle est trop belle. Et vous voyez ici, par exemple, la licorne en elle-même, vous n'avez pas de strass dessus. Il y en a de temps en temps des plus gros, mais pas énormément. Sinon, c'est juste le tour en fait et le pourtour ici. Et ça va plus vite à faire qu'une grande toile, hein, on est d'accord.
Et le rendu est tellement beau. J'adore. Et c'est clairement celui que je vais faire en premier. D'ailleurs, je vais le mettre de côté. Ah, celui aussi, c'est le prochain que je fais. Il est trop beau. Et il y a aussi une petite couronne, d'ailleurs. J'avais pas fait attention. Mais le principe de la lune, du nuage, le petit dragon, dans les tons roses. Oh, j'ai de nouveau plus de batterie. J'adore. Trop, 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 trop beau. J'ai trop hâte. Je les ai doux les mains. Donc, on va attendre que ça coupe. Et puis... Alors, celui-ci, il est sur bois. Et c'est une maison de Noël. Donc, c'est pour mon fond de Noël. Et voyez, celui-ci, c'est en bois. Mais le principe est le même. Encore un en bois. Le petit chapeau Halloween. Je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs tailles aussi. Hein. Ensuite, oh, celui-là, c'est pour l'hiver, le fond de l'hiver. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Non, mais regardez-moi cette beauté. Canon. J'adore. Celui-là, ça sera clairement pour février, pour la Saint-Valentin. Enfin, après, je peux le mettre n'importe quand, hein, quand il sera fait, du moins. Parce que je ne vais pas pouvoir tous les faire, hein, j'en ai pour 10 ans, là. Je crois que j'ai mon stock de diamond painting à vie. Après celui-ci, il en reste plus que deux. Comptez maintenant tous les diamants de panique que j'ai achetés. Pour Noël. Voilà, petit rechargement de batterie. Et je n'avais presque plus rien à vous montrer, mais pas de chance. Donc, on termine. Alors, je vous montrais celui-ci. Voilà, pour Noël, hein, bien évidemment. C'est des gnomes, c'est de Noël, c'est parfait. Celui-ci, big coup de cœur. Elle est trop belle, c'est une petite fée sur une lune. Elle est magnifique. Je vais avoir des trucs comme ça partout dans ma maison, hein, clairement. Et les deux derniers, alors il y a celui-ci pour Noël aussi. C'est un Bambi avec le traîneau du Père Noël. Trop bien. Et celui-ci principalement pour l'automne, mais si je tiens pas, je le mettrai avant. Encore un Bambi. Avec un début de Bambi. Donc c'est une biche avec un Bambi, hein, enfin un fan. Mais pour moi, c'est toutes des Bambis. Cerf, biche, fan, c'est des Bambis. Voilà, c'est plus facile à dire. Et dernier accessoire, j'ai commandé ceci. Donc c'est gigantesque, je vais vous l'ouvrir. J'aurais pu l'ouvrir pendant que je rechargeais ma batterie. Il ne faut pas me demander d'être intelligent. Donc j'ai craqué sur le modèle, mais il y a plein de sortes différentes. Et en fait, c'est un porte-vue, tout simplement. C'est un classeur pour mettre à la taille des diamond painting. Donc en 30 par 40, oh, j'arrive pas, ils tiennent pas les feuilles. En 30 par 40, je ne sais plus exactement combien de pages il y a à l'intérieur. Je crois que c'est une vingtaine. Mais vous pouvez les mettre recto verso, donc ça fait déjà 40 diamond painting à ranger dedans. Avant de le remplir, il y en a déjà pour un certain moment, je pense, surtout chez moi. Et voilà. J'ai également, mais ça vient par voie terrestre, donc vous le verrez dans le prochain haul parce que je l'aurais reçu, ça je pense que c'est sûr. J'ai également pris des cadres aimantés pour mettre les diamond painting à l'intérieur. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et donc voilà ce qui conclut ce haul. Encore une fois, c'est un énorme, hein, cette fois-ci. Et l'autre, il y a encore beaucoup de choses. Il faut vraiment que j'arrête. J'arrête pas de dire ça à chaque haul, hein, mais j'arrive pas à me contrôler. En plus, dans l'autre haul que vous aurez, avec les ajustements de prix, là, j'ai réussi à faire une commande de 27 euros gratos quand même. Et encore, il me restait les sous de côté. Donc, autant en profiter. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de commandes, que j'ai beaucoup d'ajustements de prix, que j'ai beaucoup de sur mon solde. Donc, c'est un cercle vicieux, quoi, vous voyez. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi profiter de la réduction iGraal. Donc, vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos et également le code TEMU. En barre d'infos aussi que Temu m'a fourni, donc j'en avais un que j'avais créé moi, mais là ils m'en ont fourni un, donc autant mettre le leur. Je sais pas si ça rapporte plus, voilà, donc tout simplement c'était valable pour vous gagnez à peu près 100 euros de réduction, je crois, enfin pas de réduction, de coupon de réduction, et c'est valable pour les nouveaux utilisateurs, les nouveaux utilisateurs
Et que sur l'application, je crois. Je ne sais pas, c'est pas très clair leur code là. Et je préférerais un code qui met 10% sur le panier, vous voyez, comme les codes Shein par exemple. Mais c'est comme ça, voilà. Mais vous avez un code, essayez-le. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou si vous savez ce que ça rapporte, vous me le dites. Et n'oubliez pas, iGraal, aujourd'hui par exemple, le jour où je tourne la vidéo, hein, c'est à 20% de cashback. Donc c'est pas négligeable si vous avez une grosse commande à faire ou des trucs un peu plus chers. C'est le moment d'en profiter. Donc, lien de parrainage Temu, enfin, je dis n'importe quoi. Lien de parrainage iGraal et code Temu, tout ça est noté en barre d'infos. Bien évidemment, je ne vous mets pas les liens de chaque article parce que je n'ai absolument pas le courage de faire les liens de chaque article. Voilà! Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a encore un haul qui va arriver, mais après, je pense qu'on va essayer de limiter la casse. Et surtout que des diamond painting et des livres à colorier, j'ai ce qu'il faut. Hein. J'en ai pour 5 vies, là, au moins. Donc, voilà. Et sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous!